Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sous News ID. Nous portons un update pour comprendre qui côté nous est là dans l'élection républicaine. On nous dit d'abord, 15 janvier cap vin là, ça table dit dans 4 jours date pour date, pral gen sa n'tarele premier primary. Nan pral pour tout le monde, primary c'est bataille entre républicains. Bon, on dit pour connaître qui est-ce qui parle candidat pour eux. Bien que gen primary démocrate tout bon, on dit ça presque pas existé puisque Biden pas gen en face. Donc, bataille qui pourrait le faire entre les républicains qui a commencé premier primaire dans l'Iowa, qui a fait 15 janvier qui a vu là. C'était en fait, hier, c'était en fait dernier débat entre candidats ça yo pour te faire différence, montrer pour qui ça que c'est le plus bon candidat. Et dans le débat ça qui était justement fait sous le leadership de CNN, comme toujours, Donald Trump n'a pas voulu présenter, il n'a pas voulu faire face à face, ça, face carré ça, entre deux candidats yo. De préférence, Donald Trump t'a choisi pour contre lui aller dans Fox News pour te justement faire un débat pour contre lui côté où t'as posé la question. Maintenant, on nous dit que deux messieurs dames ça yo yo a besoin politique milieu. Tant que l'Orwenny qui parlait, il dit bon Donald Trump crasé en pile bagaille, il veut montrer aspect positif Donald Trump, mais Donald Trump pas qu'à construire. En fait, c'est critique de monde. En fait, il n'y a pas tout qu'il est capable de dire que Donald Trump. Il n'y a pas qu'à parler pour dire que Donald Trump a volé l'élection. Il est obligé de prendre un petit équilibre puisque Donald Trump est un pile fanatique. Donc, il a essayé de ménager la chef de chou. Donc, il souligne que Donald Trump n'a pas qu'à construire rien et que 4 années de Donald Trump, c'est 4 ans de chaos. Et il montre que il est le meilleur candidat. Et sous point, ça n'est capable de dire c'est vrai. Il dit que tout chiffre montre que Donald Trump et Biden ont taille. Donc, il dit. Républicains, nous n'avons pas besoin d'élection serrée, si nous besoin d'élection facile, tout poll montre que Biden, il y a des polls qui montrent que Biden a 18% et autres. Donc, il fait argument en parlant de Nikki Haley que c'est le meilleur candidat. Il y a un point commun de messieurs dames, en temps de tout, c'est sous cause de déportation. Et là encore, tout républicain remet leur parler de déportation. Nous parlons mot pour mot qui s'est dit. DeSantis dit lui-même, depuis qu'il prend pouvoir, il a promis que l'Ibra le fait, ça nous relève en masse déportation des migrants qui viennent aux États-Unis s'il prend pouvoir. On peut comprendre n'importe républicain de vous parler de masse déportation. Tout le monde bat bravo. Et c'est promesse ça que le fait. DeSantis dit que, dans le débat que le tape fait, il dit que les migrants viennent entre les pays, tout côté dans le monde là, et ils représentent une véritable dynamite, une véritable bombe à retardement pour le pays ça. Et il dit, m'a répété mot pour mot, ça descend, il dit, they all have to go back. Bien dit encore, they all have to go back. Yo tout supposé retourner. Et il dit, nous supposé appliquer la loi. DeSantis dit que le président Biden, par qu'il a promis pour lui sécuriser la frontière là, pour lui assurer que la loi yo exécuté, j'en sa dit, donc lui défend position là sous sa les masse déportation. Lorsque Jack Tepper m'a demandé de clarifier ça, il ne dit pas là. Est-ce que, et c'est là le monde qui se fait, est-ce que plusieurs millions de monde qui déjà entré dans le pays, est-ce que la permet que moun sa yorete? T'as des questions. Hein? Il dit, pour plusieurs millions de monde qui déjà en dedans, qui déjà illégal, mais en dans le pays, est-ce qu'elle va le faire pour quitter moun sa au pays? Et, des gens qui répondent, il dit, quantité de monde qui va faire une amnistie, amnistie quand ça quand ça relé moi by papier by résidence il dit quantité de monde qui pral gain amnistie l'aime président c'est zéro. Descendu dit quantité de monde qui pral gain amnistie l'aime président c'est zéro. Il dit pas ca bay amnistie dans pays. Il dit que amnistie de pour bay amnistie ou encourager l'autre vini. Donc il dit li pas c'est zéro. Donc là pour un dossier par exemple on prend un dossier Dakar. C'est un dossier qui triste, tout le monde reconnaît, c'est des jeunes qui entrent dans le pays, ils ont étudié dans tous les côtés. Tout le temps de débat fait. Est-ce que nous n'avons pas de groupe pour la résidence? Ça n'a pas jamais fait. Ça n'a pas une idée de pourquoi comprendre. L'homme a besoin, l'homme a besoin de faire, et l'homme a besoin de faire autant de vieux. Oh, il n'y a pas de résidence, pourquoi comprendre le dossier résidence ça? Ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas un bagage facile comme ça. Et. Des antiques qui montrent que l'État l'a parlé, il dit nous pas supposé faire confiance à madame ça, non qui est le Nikia. OK? Sous gens que les frontières là. OK? Parce qu'il dit c'est comme sous au bail on chat et garder bête. Et ça comme ça lire le Nikia. Et il fait référence avec commentaire
ni qui allait faire en 2015 côté que il te dit et moun qui gen papier pas criminel en attendant nous comprend bien oui? Ni qui allait te dit moun qui pas gen papier pas criminel il dit ni qui allait te dit en 2015 en documentaire d'immigrant pas criminel nous connaît que républicain au début dit en début dit moun qui pas gen papier ou de ces criminels donc des senti qui dit ça son faiblesse dans l'immigration donc pour des senti un véritable républicain faut capable dit illégal immigrant c'est criminel. Mais illégal immigrant pas criminel. Si les avocats ou ka dit tout sauvé, son problème à résoudre, mais un monde qui bagain papier, il pas criminel non. Et c'est là ce moment de la durée, ni qu'elle t'a répondu, dit parce que moun sa yo, c'est des immigrants qui bagain papier qui illégal, nous pas ka dit yo c'est des criminels. Bien que ni qu'elle dit yo pas nous pas doit quitter yo rester dans pays là. Et ni qu'elle tous les deux, les mêmes descendants, li d'accord que tout le monde qui pas gain papier supposé déporter, c'est déclaration ni qui aller. Il veut dire que ni descendants ni dit qui aller tous les deux justement parler de déportation. Donc faut que déporter tout le monde. Donc parce que justement c'est le refrain ça qui reconnaît que partisans aurait mien. La vérité guys, la vérité ça pour monde comprendre bien ça. Et gen ça qui dit et gen ça qui fait qui pas même bagaille. La vérité c'est que on a dit même là d'avoir un gouvernement républicain, il est quasiment impossible pour ta dire pour l'entrer dans pays. D'ailleurs, il y a trop de travail. Agent, il y a trop de travail sous dos. Ou pour attaquer monde à l'intérieur du pays. Il y a pas assez de ressources pour faire ça. Nous voulons clair sur ça. Parce que il y a monde qui fait la peur bleue côté qui connaît leur tout valait monde. C'est toujours gen monde illégal aux États-Unis sans papier. C'est toujours gen monde en dans pays qui gagne n'importe 15 ans avec order of deportation, il pas gagne tiers, pas gagne rien. Grand pile monde qui vivent comme ça. Yo mette corps tout doucement, y a le travail, yo rentre, yo fonctionne normalement. La vérité, les États-Unis pas jamais même avec anti, et nous pas croire que bien que Trump son l'autre cause, Trump même dit pour même reler l'armée, bon, ça son l'autre bagarre. Si il clair que si vous gagnez un pouvoir républicain pour gagner beaucoup plus qu'on t'a dit là. Sous cause traverser frontière là, yo pas beaucoup plus strict que ça. Mais nous pas croire que yo ba un discours pour faire que monde content. Nous pas croire que pour quelqu'un ça y aurait une véritable masse de déportation tout le monde comme si vous pas gain papier à cacher dans caille mais républicain c'est image ça que vous voulez projeter pour faire que l'autre content mais il y a pas de assez moyen parce que tout le monde oublie que c'est pas seulement illégal immigrant que bon de pas la contrôler il y a des problèmes plus dangereux on a parlé de drogue on a parlé des gangs des véritables menaces parce que c'est vrai frontière là. Il y a autant de problèmes. Ça veut dire, l'homme fait une force mettre, obligé de priorité. Ok? Et, en nous parler, cause budget immigration, jusqu'à présent, même Biden a besoin de bon corps, moins besoin plus de border patrol. Bon, imagine que nous avons pris un border patrol pour aller arrêter des citoyens comme ça dans le pays. Ça n'est pas sérieux. Parce que, il y a gagné. Job ou se protéger frontière qu'on a décidé de monter là pour protéger frontière qu'on a envoyé dans un pays à faire job ça passe là bas ou à quitter frontière là vide c'est ça m'a fait comprendre gen ça cap dit gen ça cap fait vous comprenez maintenant ceci dit en nous clair des fois quand gen des actes comme ça qui fait surtout dans période campagne pour montrer Donald Trump te font coup comme ça nous rappeler qu'il était débarqué dans une compagnie qui gen poule côté a plumer poule yo le plus souvent c'est mon illégal nous sont une période ça li pour un bon monde li déporter mais c'est des actes nous t'a dit sporadiques faut comprendre les dit sporadiques là au hasard vous comprenez côté que ici les gens bonjour dit me prendre dans telle compagnie c'est des actions sporadiques parce que pour nous expliquer bien y a trop d'urgence y a trop bagarre pour faire y a pas gain assez de ressources pour faire un enforcement à l'intérieur du pays il y a la police qui là pour des actes civils qui pas gain rapport avec immigration donc guys, donc il veut dire que on nous dit que dans débat ça et il était surtout présenté en fait, il même était présenté aspect et Donald Trump qui c'est un véritable chaos, son véritable désordre et que lui-même s'il arrive au pouvoir là, c'est le chaos et général, c'est comme ça que et candidat ça a été présenté. Mais enfin, nous, parallèlement Trump lui-même tout, il était dans Fox News. OK et lui-même expliqué qui genre que eh bien des monsieur dame ça bien pas capable
justement arrivé rempli fonction, elle t'a défendu tête li par rapport avec mandat que t'es gain déjà. Donc on dit là débat fini. Dans 4 jours, nous pral connait ça qu'va passer dans le roi. Mais on nous dit que chiffre yo clair vraisemblablement et tout le monde pas connaît ça qu'va passer dans le roi. Parce que chiffre montre que Biden et Donald Trump devant net. Vrai suspens dans ce New Hampshire. Parce que clair que si Donald Trump gagne New Hampshire, c'est fini. Mais on nous dit que yo ça qu'va passer dans le roi là, c'est que Biden a, et Donald Trump va gagner. Ça dit que montre que il devant. OK? So, en tout cas, guys, nous-mêmes, nous t'avons porté dernier update ça. Nous, dans la ligne droite, pas oublier que là, on a parlé de primary. Nous, dans primary, c'est ça qu'on a parlé là. Nous, au niveau de primary, et là, on a tant, justement, donné et on a toujours porté update pour vous. OK? C'était un plaisir.